héros de la gastro-entérite. Bienvenue à la petite gargote des horreurs. Vous allez vous régaler, hein? Lombric frais sans hémoglobine. Goûtez-moi ça. Oh! Je vois. Madame les aurait peut-être préférés un peu plus faisandés. Est-ce qu'il y aura un serveur dans la salle? Oh non, pas elle. Devine qui vient dîner ce soir. Le plus beau coup de fourchette de l'autre monde, la vieille sorcière. Je mangerai bien un tartare de cheval. Sans rire, j'ai les talons dans l'estomac. Ici, on accueille de la vieille carne. Tu vois ce que je veux dire. Tu parles pour toi. Et ce sera quoi? On se calme, la cliente est reine. Eh bien, son Altesse va être servie. Oh. Tu sais que j'en pèse pour toi. Oh, et ça, c'est rien de le dire. Bon appétit. Pour vous, les accros, j'ai un menu aux petits oignons. Je dis pas qu'il est de première fraîcheur, mais je vous jure qu'il ne manquera pas de saveur. Pour vous mettre en appétit, je vous propose l'histoire de deux frères qui crèvent la dalle. Pas la dalle funéraire, la dalle tout court. Ça s'intitule Chuck et Melvin au pays des faillots géants. Question d'entrer là-dedans. C'est la mort assurée pour quiconque mettra le pied dans cette forêt maudite. On dirait que tu as la mémoire courte, mon cher frère. Arrête de nous faire le numéro de la poule mouillée. Non! Qu'est-ce qu'il y a? Des cernes et un point noir. Non seulement je ressemble à une vieille chouette, mais j'ai une faim de loup. Si je ne me mets pas tout de suite quelque chose dans le gosier, je n'aurai plus que les os sur la peau tel un vieux coucou décharné, comme... Toi, tu as pris la graisse et moi l'intelligence. Eh ben, prouve-moi que tu sais t'en servir. Ton intelligence devrait l'emporter sur ta trouille et déjouer tous les pièges de cette forêt. Allez, Melvin, mets-toi au boulot. Trouve la crotte du marchand. Ce n'est pas la crotte, gros nigo, c'est la grotte. Quelle nullité. Bon, comme tu veux. Le principal, c'est qu'on trouve de la nourriture. De la nourriture, Melvin, des tonnes de nourriture. Je suis aussi affamé que toi, Chuck, mais le marchand a la réputation d'être une sombre crapule et j'ai entendu dire qu'il pratiquait des tarifs exorbitants. Je vendrai mon âme au diable pour de la sole, des filets de sole baignant dans le beurre, accompagnés d'asperges à la crème. Allez, en route, Melvin. Va et conduis-nous à travers la forêt. Et n'aie crainte. Sage que Rocinante et moi pouvons la traverser les yeux fermés. Bien sûr. Oui. Ça me rappelle quelque chose. Oh, la faim me tenaille. Je sens que je vais défaillir. Dodo. Tous deux, je vous conduirai à bon port. Je braverai tous les dangers, j'affronterai tous les monstres que nous rencontrerons. Dormez tranquille, mes braves. Votre fidèle Melvin veille sur vous et vous réveillera lorsque nous serons arrivés. Chuck, réveille-toi. Mon Dieu, c'est abominable. Quoi? Qu'est-ce qui est abominable? Mais toi, Melvin, regarde-toi, j'ai tout crotté. Tu aurais pu avoir la décence de te baigner avant de nous réveiller. La prochaine fois, j'y penserai. En tout cas, nous sommes arrivés. Serait-ce... tout juste, c'est la grotte du marchand. Tu en es bien sûr? Tu n'aurais pas fait une de ces erreurs dont tu es coutumier? J'ai bien peur que si. Qu'est-ce que tu attends? Allez, frappe. Pourquoi est-ce encore à moi de frapper? Non, Melvin, est-ce que ça change quelque chose que ce soit toi ou moi? Non, rien du tout. Eh ben alors, vas-y, frappe donc. Non, c'est ton tour. Attention, Melvin. Désolé, mais... Je crois qu'on est attendu. toi l'horreur, Melvin. L'honneur. Ah oui, oui, je vais parler. Voilà, messieurs marchands, nous sommes de pauvres passants affamés. Très affamés. Et nous aimerions que vous nous vendiez un peu de nourriture. Voyez-vous ça, et en quelle monnaie comptez-vous me payer? Ah, c'est follement amusant. Vous devez être un ventriloque. Non, mais je voulais dire un ventriloque. Cela suffit. C'est vrai, ça suffit, Melvin. Qu'est-ce que c'est donc que cela? Eh bien, vous avez là du poivre, du sel, du basilic, de la noix de muscade, de la coriandre. Enfin, un assortiment de condiments. Des condiments? Mais je n'ai rien à faire de vos misérables condiments. Voyons, Melvin, tu aurais dû prévoir que monsieur n'aimerait pas. Désolé, mais c'est tout ce qu'on a. Tout le monde a en sa possession quelque chose qu'il chérit plus que tout, quelque chose qui lui est plus important que tout l'or et toutes les richesses du monde. Vous voudriez que je vende mon petit frère, la chair de ma chair, la lumière de mes jours, contre une entrecôte marchand de vin avec sa garniture? Vendu. Je ne suis pas intéressé par ce tados que tu nommes ton frère. En revanche, je pourrais être généreux si tu me cédais ton cheval. Comment? Rocinante? Jamais, jamais. Pas même en échange de ce gros sac de haricots? Oh, Rocinante, Rocinante. Si nous nous revoyons un jour, alors nous sourirons. Sinon, nos adieux auront été bien faits. Bon, alors, Melvin, ces faillots, ils sont prêts? Je peux pas aller plus vite que la musique. Oh, pitié de mon estomac. Un peu de patience. Non, donne-moi ça tout de suite. Je n'ai jamais rien mangé d'aussi infect. Je me demande si on n'a pas fait une bêtise en essayant de les manger. Le marchand m'avait prévenu qu'ils étaient magiques. On pourrait peut-être ajouter un peu de poivre. Oh. Comment as-tu pu, Melvin? Échanger ma Rocinante contre ces horreurs. Un vulgaire sac de haricots contre mon divin destrier. Ah! Et en plus, ils sont immangeables. Peut-être, mais ils sont magiques. Ils sont pas magiques, Melvin. Ils sont tout simplement dégoûtants. Dégoûtants, je dirais même plus dégoûtants. Oh, pauvre de moi. Plus jamais je ne verrai Rocinante. Oh, plus jamais nous ne gambaderons ensemble. Oh, terminé. Nos folles galopades. C'est incroyable! Oh, c'est magnifique! Je dois dire que c'est tout à fait exact. Même après une dure nuit à la belle étoile, j'ai toujours mon teint de jeune fille. Regarde ça, Chuck! Diantre! Un pied de haricot! Tu vois ce que je te disais? Finalement, ces haricots étaient bel et bien magiques. Je n'en ai jamais douté. Et dans ma jeunesse, j'ai lu des ouvrages qui traitaient de ce phénomène. C'est moi qui te les lisais. Si ma mémoire est bonne, il y avait un trésor au sommet du pied de coquelicot. De haricots, mais peu importe. En tout cas, il y avait un trésor. C'était un œuf d'or, une poule d'or. Non, j'y suis, c'était un piano en or. C'était une harpe en or. Ça y est, j'ai trouvé, c'était une harpe en or. Bravo, Chuck. Mais attention, l'histoire parlait aussi d'un géant. C'est ça, d'une harpe géante. Tu imagines tout ce que je pourrais acheter avec une harpe en or? De la bouffe? De la nourriture, Melvin, de la nourriture. Qui sait? Je pourrais même monter mon commerce. Pourquoi pas une chaîne de supermarché? Mieux que ça. Je créerai une chaîne de supermarché que je nommerai chez Chuck le Prince Charmant. Nous n'aurons plus jamais, jamais, au grand jamais faim. Et le géant, qu'est-ce que tu en fais, Chuck? Le quoi? Le géant! Quel géant? Laisse tomber, Chuck. Je n'aurais jamais cru que cette ascension serait aussi éprouvante pour mon corps d'athlète. Moi non plus. Oh, j'en peux plus, je demande grâce. Il faut à tout prix que je fasse une pause. Ce n'est pas vraiment le moment idéal pour s'arrêter. T'en fais pas. Un petit somme et je te rejoins. Melvin, ne t'avise pas de recommencer. Regarde ça. Oh, ce château est gigantesque. Je me demande qui l'habite. C'est un géant. Je sais que c'est géant, mais ça ne me dit pas qui vit ici. Oh. À toi l'honneur, glisse-toi sous la porte. Ah, désolé, frangin, ce coup-ci, c'est ton tour. Mais enfin, Melvin, que ce soit toi ou moi. Bon, ce coup-ci, c'est toi qui passes devant. Je me demande d'où provient ce bruit. On dirait un tremblement de terre. Oh, Melvin, comme éclaireur, tu te poses là. J'ai bien failli m'assommer contre cet arbre. C'est pas un arbre, Chuck, c'est un pied de tabouret. Et moi, je vois un pied de géant. Il aurait pu se couper les ongles. Un tabouret géant, un pied géant. Mais pourquoi est-ce que tu ne m'as pas prévenu qu'un géant vivait ici? Et j'ai essayé. Je n'ai jamais rien vu d'aussi appétissant de ma vie. T'as toujours eu de drôles de goût, mais là, ça dépasse les bornes. Il est tout simplement monstrueux. Ah. Mais regarde-moi ces lèvres. Et les miettes ici accrochent sont des miettes de pommes de terre, de brioches, de cakes au raisin, de millefeuilles. Et si c'était de l'eczéma? À partir de maintenant, c'est chacun pour soi. Là. Chut, tu connais le dicton, il ne faut pas réveiller le géant qui dort. Ah, oh, regarde. C'est la harpe d'or. Silence, je t'en conjure! Arrière, Manon! Cette harpe m'appartient! D'accord, on y va, mais sur la pointe des pieds! Oh, maudite porte! Elle est coincée! Non, elle est cadenassée! Je dirais mieux, elle est cadenassée! Elle est cadenassée! Elle est cadenassée! Elle est cadenassée! Pourquoi tant de haine? Trouve la clé, Melvin. La clé, c'est la harpe. Et la harpe, c'est la nourriture. Il me faut cette guerre. Courage, Melvin, tu y es presque. Enfin, Melvin, à quoi tu joues? Ne t'inquiète pas, ça va. La attends. Grâce à toi, tous mes rêves vont être exaucés. J'ai cru voir une grosse souris. Melvin! Faut-il toujours que je sois le seul à travailler? Tu vas réveiller le géant! Ne me casse pas les oreilles avec ton géant! Un coup de canon ne suffirait pas à le réveiller! Chut. Tout ce qui ose me réveiller durant ma sieste, je vais en faire de la serre à saucisse! Bon sang de bonsoir! Oh, enfin n'est que toi, facapuce. Va donc chasser les souris. Moi, je fais continuer ma sieste. C'est le moment d'agir. Ils sont partis. Heureusement que j'étais là pour sauver la situation. Tu la tiens bien? Pas de problème. Tu en es bien sûr? Puisque je te le dis. Dans ce cas... Tout va bien? Pas de bobo? Non, je crois que je n'ai rien de cassé. Je ne parlais pas de toi, crétin, mais de la harpe. Elle semble intacte. Tu m'en vois ravi. Oh, elle est beaucoup trop lourde. On n'y arrivera jamais tous les deux. Ce qu'il faudrait pour la transporter, eh bien, c'est... un cheval! Rocinante, mon fier destrier, j'espère que tu sauras pardonner à Melvin de t'avoir échangé contre un sac de haricots. Si ça n'avait tenu qu'à moi, je ne serais pas arrivé. Tu es vilain, Melvin. Méchant, méchant, méchant. Ça, on peut dire que vous êtes fait l'un pour l'autre. Vous avez exactement le même profil chevalin. C'est très drôle, Melvin, très drôle. Allons-y. Danse alors, mais quelle surprise, messieurs le marchand. Oh, qu'est-ce que vous faites dans ces lieux? J'ai vu ici. Très chouette, très classe. Vous avez du goût. Je ne suis pas sûr que tu aies agi avec diplomatie. Oh, regarde, ça le fait rire. Tiens, c'est marrant, je ne le voyais pas si grand. Et pas si vert non plus. Quelle haleine! Il devrait voir un dentiste. Melvin, tire-nous de là! Spectre, ogre, mutant, troll... Oh, regarde! Oh, c'est bien ce que je croyais. C'est une mutation de pieds de haricots géants. Melvin, ça mange quoi, un pied de haricots mutant? Des haricots? Tu m'envoies soulager. Et des êtres humains aussi. Non. Yo! Melvin, nous avons oublié Rocinante. Va la chercher. Tes désirs sont des ordres. Et n'oublie pas la harpe. À tes ordres. Hey, mais c'est pas à moi de faire ça. Ah ah oh ah. Alors tu l'as, cette harpe? Ah. Voyons, Melvin, fais quelque chose. Attends, je n'ai aucune envie d'attendre. Vous savez, on n'a pas tellement de saveur. C'est vrai, ça, on est plutôt fade. Si vous voulez vraiment vous régaler, vous feriez mieux de nous assaisonner avec une de ces épices. Non. Melvin, je dois avouer que pour une fois, tu n'as pas été totalement incompétent. Merci, monseigneur. Te voilà, ma beauté. Oh, une fois de plus, je nous aurais tiré d'affaire. Je suis là. Tu n'as plus rien à craindre. Chuck, regarde. Il en sort de partout. Désolé, Melvin, c'est complet. Ah oh ah ah. Cesse de te plaindre. Encore une fois, grâce à moi, nous sommes sains et saufs. Sois loué, tu n'es pas blessé. Et ma harpe est intacte. Merci de tant de sollicitude. Ah, mais qu'est-ce que ça signifie? Nous avons été abusés. Cette harpe n'est pas en or massif. C'est une pâle copie. Ce n'est que de la vulgaire peinture dorée. Et qui plus est de la peinture à l'eau. Oh, vilaine, 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 vilaine. Chuck. Quand je pense que tu m'as fait affronter tous ces dangers pour une harpe en toc, tu as dépassé les bornes. Je te renie, tu n'es plus mon frère. À partir d'aujourd'hui, tu devras te débrouiller seul. portes sont en or. Pas la peine de me supplier, Melvin. Ma décision est irrévocable. Tu m'envoies désolé. Bon vent, sombre crétin. Avec ça, j'ai de quoi monter toute une chaîne de supermarchés. Ce sera chez Melvin, le prince charmant. Et n'essaye pas de me courir après, Melvin. Moi, je trouve que Chuck manque singulièrement d'estomac. Heureusement que Melvin avait de la cervelle. En parlant de cervelle, j'espère que notre vieille copine ne s'est pas trop pris la tête. Hé, garçon, l'addition. Avec toi, je préférerais pratiquer une soustraction. Comment ça, tu l'aimes plus ta caille sur canapé? Pour attendrir la viande, il n'y a qu'une méthode. Il faut lui taper dessus. Je savais que t'étais nul comme musicien, mais alors, quand tu dis...